Salut tout le monde, c'est Seven Happy Fins et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 28 de notre série sur Final Fantasy VII. Dans l'épisode précédent, nous étions bien loin de Junon. Nous étions dans les montagnes, nous avons retrouvé Sephiroth qui a appris à Cloud qu'il n'était qu'un clone créé par Hojo, que tous ses souvenirs de Nibelheim c'était du gros n'importe quoi, enfin voilà, que il n'était qu'un... Ouais, qu'un clone de Sephiroth créé à partir des souvenirs un peu de Tifa, et que c'est pour ça qu'il aurait l'apparence d'un dénommé Cloud. Ensuite, tout s'est enchaîné, ça a été la catastrophe. Sephiroth a eu la matéria noire, et nous on a dû s'enfuir parce que tout était en train d'exploser et tout. On s'est enfui avec la Shinra, mais la Shinra en a profité pour nous capturer, et maintenant ils veulent nous exécuter. Pour que la population soit satisfaite de la mort du bouc émissaire. Donc voilà, nous allons passer pour un bouc émissaire. Et nous sommes dans le couloir de la mort. Tout le monde est là! Voici ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe. Bon sang, qui sont ces gens? Votre misérable mort sera diffusée sur nos chaînes de télévision nationale. Scarlett, pourquoi avoir organisé une exécution publique à notre époque? Les rapports sur le météore ont semé une telle confusion qu'il nous faut absolument nous rallier l'opinion publique au plus vite. Il vaut donc mieux punir quelqu'un, qui que ce soit. Ça me dégoûte. Ils ne vont jamais l'avouer, mais c'est le genre de choses qu'ils adorent tous. On va commencer par cette fille. Si tu veux vraiment faire ça, commence d'abord par moi. Caméra, par là. Surtout, filme ce qui va suivre. Le public raffole des adieux dramatiques. C'est une directrice de casting ou... ou une responsable de l'armement? Tu fais. Voici ma chambre à gaz préférée. Prends ton temps. Apprécie les joies d'une mort lente et douloureuse. Espèce de sale garce. Le spectacle va bientôt commencer. Attention, attention, l'arme approche. Ordre à tout le personnel militaire, à vos postes. Oh non, c'est l'arme! Courez! Hé, vous tous! Bon sang, pourquoi maintenant? Tu te sens comment maintenant, Scarlett? Quoi? Tu ne t'es pas échappé? Ça m'étonne. Comment je me sens pour le moment? Oh. Oh. Hein? Un gaz qui fait dormir? Ketsis, pour une fois que tu te rends utile. Bon, Barrett va se battre avec les mains dans le dos. On ne sait pas trop comment il va faire. Par contre, Barrett, ça va faire un moment que je ne t'ai pas entraîné. Enfin, c'est vrai que dans ce FF, au moins ils montent de niveau à peu près en même temps que les personnages qu'on utilise. Donc c'est pas mal, parce que dans FF8, tu peux monter un personnage au niveau 100, tous les autres, ils vont rester au niveau 30 si tu t'occupes pas d'eux. Donc c'est pas super. Quelqu'un veut bien réveiller Ketsis? C'est bon, il est réveillé? Voilà, oui c'est vrai, il a obscurité sur lui, donc il va pas nous être très utile. Bon. Allez, Barrett, gardons la limite pour un combat qui envahit la peine.
suis là pour donner un coup de main. Toi, tu n'appartiens pas à la Shinra. Je suis contre la peine de mort et je n'aime pas cette émission. Viens, on doit être Tifa. Je vais monter la garde à l'entrée. Ok. Imbécile, j'ai déjà appuyé sur l'interrupteur. Je peux... Parfait. On va leur distribuer vite fait la matéria. Ouais, Odin, tout ça, c'était Cloud qui l'avait. Tifa, est-ce qu'elle a rendu ses trucs? J'ai pas l'impression. Je crois que j'ai que la matéria de Cloud. On l'a vraiment plus dans l'équipe. C'est comme après à Aeris. Bah écoute, coupure supplémentaire avec coup mortel. On va mettre talent de l'ennemi pour Barrett. En espérant. Enfin, je pense pas qu'on va tomber sur des monstres à l'intérieur des bâtiments de la Shinra. Chance, magie, FB. Alexandre. Odin. Bon, écoutez. Les matériels les plus importants, c'est Tifa et. Mince, j'ai même pas regardé leur équipement, il faut que je change. Les matériels les plus importants, c'est Tifa et Vincent qui les ont, donc ça ne servir à rien. Ouais, par contre, je crois que j'ai pas récupéré l'équipement de Cloud, donc ça c'est l'air perdu. Si, ruban, c'était Cloud qui l'avait, je crois. Donc j'ai même récupéré son équipement. Bracelet feu, c'était aussi à Cloud, je crois. Tiens, prends ça, parce que si t'as obscurité, ça va m'énerver. Materia, donc j'en étais où? Odin. Vous allez, écoutez, vous allez prendre de tout ce qu'il y a, parce que voilà. Hein. Il devait y avoir de la magie restaurée, je l'avais donnée à Cloud. Non? Ah, je l'ai vu. On va la mettre avec tout. Restaurée. Et puis après on va tout mettre en vrac parce que voilà, de toute façon après j'ai pas tellement de préférence. Poison, temps, gravité, toi on va te mettre quelques trucs utiles hein. Comète, de toute façon cette phase à Junon ne dure pas très longtemps donc. C'est quoi, est-ce que je fais des mots de base? Non. Ouais. Les longs portes. Voilà. En vrac, vite fait. Donc, ça c'est quoi? C'est une caméra. Ok. Tifa, j'arrive! Impossible d'ouvrir! Il court en rythme. C'est l'arme. Il y en a eu tellement ces derniers temps. Est-ce qu'on peut s'en occuper? D'une façon ou d'une autre, quels sont vos ordres pour l'attaque? Pas besoin de poser la question. On va tirer dessus avec notre gros canon. Ouvrez les portes du canon. Activez le canon. Visez. Arme. Protection des civils. C'est vrai que quand Barrett en parlait à Tifa, il disait qu'il y avait une arme, mais en réalité, c'est 4 ou 5 monstres qui sont sortis du cratère. Tout est prêt. Le canon. Feu.
On l'a eu. Ça, on a tout l'air. L'arme se dirige vers nous. Elle se dirige en plein sur nous. Vitesse 50 nœuds. Ce n'est pas possible. On a touché la cible. Et le canon? Il faut du temps pour le recharger. Alors en attendant, utilisons de la poudre ordinaire. À vos ordres. Ouverture de toutes les portes d'artillerie. Visez l'arme. Ne la laissez pas atterrir. Sauf qu'elle est sous l'eau, elle n'est pas dans les airs. Ça n'est que des petits cailloux sur sa carapace, tout ça. Vitesse 70 nœuds, l'arme se rapproche. C'est pas bon, il attaque. Oh, les pauvres. Ah non, la machine s'est mise en marche. Le gaz. Ne parle pas, Tifa, tu vas en respirer. Barrette, à l'aide. Retiens ta respiration. Retiens-la le plus longtemps possible. Viens, je ne peux pas rester éternellement sans respirer. Et merde! Kit 6, la chambre à gaz est probablement fermée depuis une autre pièce. On doit changer de plan. D'abord, quittons cette pièce. Tifa, je vais revenir, je le jure! Ok. Non, ici aussi c'est verrouillé. Imbécile, vous ne pouvez plus sauver cette fille. Cette pétasse de Scarlett. Bon sang. Ok, ok, il est temps de suivre le plan B. Courons vers l'aéroport. Pourquoi vers l'aéroport? Tu veux laisser Tifa ici? Fais-moi confiance, on doit tenter d'autres chances. Ok. Je voulais pas garder la limite de Barrette pour ça, mais soit. Il a une épée extrêmement pointue, ce gars. Il est résistant. Hey, ça fait mal! Ah zut, j'aurais utilisé coup mortel. Ok, si on retombe sur lui, je vous passe le combat. C'est par où l'aéroport? Pas par là. Par où allez-vous? L'aéroport de l'autre côté! Depuis quand tu me vouvoies, Kate 6? C'est pas par là non plus. Franchement, il s'attendait à quoi? Est-ce que je connaisse la géographie de la Shinra? Je ne suis pas un espion comme lui. Ah, on est au bout. Ok, ok. Je sais que tu es pressé, mais laisse-moi juste dire une chose. La ferme, je dois me grouiller. Hii! Arrêtez de faire tant de bruit, c'est moi. Moi, Yuffi. Tu t'es fait passer pour une journaliste pour entrer ici? Bon sang, qu'est-ce que tu fais là? Ouh, quelle jolie tête.
s'expliquerai plus tard. Pour le moment, on doit rejoindre l'aéroport. Ok, Tifa. Yuffie se joint à nous, on va l'équiper vite fait. Avec ce qui nous reste de matériel. Ça ira. Oui, de toute façon. Et à notre pierre. Matéria, tu vas prendre tout ce qui reste, parce qu'il reste pas grand chose en fait. Ça, ça. Et après, j'ai plus d'association. Non! Elle reste ici. Ah oui, il me reste plus du tout de magie verte. Bah, écoute, on va faire du n'importe quoi, parce que là, je. Du moment que la matéria me permet de gagner des points. Sur ces matériaux, écoute. On va prendre n'importe quoi. Il n'y a plus aussi ça. L'élément de base, j'en ai déjà plein. Voilà. Ensuite, c'est par où? C'est là. Je crois qu'on n'aura même pas eu de combat avec Yuffie au final. Parce que. On arrive déjà à l'aéroport. Et si, il y en a quand même un petit. Oh. Are you fait à sa limite, c'est bien ça. Magie, tu vas nous soigner tout ça, Barrette, parce que toi, tu es dans un état critique. Voilà. Ça fait mal. Bon, ça va, il n'était pas très résistant. Bon, et Yuffie a pris sa deuxième limite de niveau 1. Parfait. Ah. Et là, tu crois vraiment que c'est le bon chemin? Sac cul-de-sac! Hein? Je me suis trompée? Espèce d'imbécile! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Ils vont bientôt tous débarquer. Faut mieux que tu surveilles ce qui arrive par derrière, partenaire. Ok, voilà pour ce groupe. Maintenant, pauvre Tifa, elle va devoir se débrouiller toute seule. Alors, jambes, voilà, ramène la clé. Ensuite. C'est bon. Ensuite. Non. C'est, je crois, ça. Non. Non. Les deux en même temps. Non, Tifa. Non, Tifa. Voilà, reviens. Ensuite, c'est ça. Et ça, super. Ensuite, non, Tifa. Ah. Voilà. Décroche ce bras-ci. Voilà, prends la clé dans ta bouche et délivre avec ce bras-là. C'est bon, ok. C'est quel bouton pour arrêter le gaz? C'était par là? Ok, c'est bon. On ne mourra pas avec le gaz. Maintenant, il va falloir sortir d'ici. Oh, ouvre! Go! Sa tête a volé.
Bon, l'arme nous a aidés. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Hé, ouvre! En premier lieu, tu m'enfermes dans cet endroit de mort, et maintenant tu me dis de ressortir. Décide-toi! Vas-y, Tifa. Je sais pas comment elle fait pour escalader le mur, mais soit. Vas-y, Tifa. Joue la façon Prison Break. You, les gars, venez me chercher. Ok, bon, je ne vois pas trop où est-ce qu'elle peut aller d'autre, mais on va peut-être pouvoir plonger dans la mer. S'il n'y a pas d'animaux plus dangereux que l'arme, bien sûr. Notre petit jeu de cache-cache prend donc fin. L'exécution a peut-être échoué, mais ça peut encore être amusant de te voir mourir, tomber et finir dans l'eau en bas. Complètement hors d'état. Arrête de me gifler, vieille peau! Combat de gifle! Je te laisserai pas me gifler à nouveau. Aïe! Aïe! Mon Dieu, je ne tiens plus. Emmenez-la. Il est temps de payer. Je te ferai vraiment tomber si tu ne te calmes pas. C'est toi qui as commencé. Hey, Po! Cours! Cours jusqu'au bout du canon. Oui, ils sont là, ils sont là. Parade. Hé, l'aérostat est à nous! Ça va? J'ai un peu mal à la mâchoire. C'est fini? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, je verrai les détails plus tard. Quoi qu'il en soit, le haut-vent est maintenant à nous. Yeah! Enfin, on va pouvoir explorer toute la carte. Eh bien, ça me fait plaisir que tu ailles bien. Je vais rester ici un peu plus longtemps. Mais oui, Yuffie. Maintenant qu'Aeris n'est plus là, nous sommes les deux seules filles de l'équipe. Ah. Ça fait du bien d'avoir l'aérostat. J'ai du pain sur la planche, alors je m'excuse. Bien, de quoi puis-je parler? Tu veux savoir pourquoi nous nous sommes mutinés? J'écoute. Sur le Haut-Vent, nous étions les esclaves des Dagger. Oui, et on connaît ces crises de violence. À chaque fois que le président criait après lui, il se vengeait immédiatement sur l'équipage. On a supporté tout, même les coups. Je veux dire, j'ai finalement libéré l'équipage du célèbre Haut-Vent, et il n'y avait pas d'autre solution pour se défaire de lui. Voyons, ça devait être il y a une semaine. J'étais de quart, et on se dirigeait vers la grotte nord. Tout le monde, y compris le président et Scarlett, était à bord.
Et avec eux, j'ai vu Sid, un pilote légendaire. Et il regardait partout à l'intérieur du vaisseau. Il semblait, comment dire, nostalgique. Il nous a même parlé. Je n'arrivais pas à le croire. J'étais si impressionnée. Il était aussi chaleureux qu'on le dit. Sid a dit que s'il avait le haut vent, les choses seraient bien plus simples. Et maintenant, nous sommes en route pour sauver la planète. C'est vrai, il m'a vraiment surpris. Et c'est pour ça que nous avons proposé notre aide. Après la grotte Nord, nous sommes allés à Junon et j'ai commencé à crier « Au feu, au feu !» Au milieu de toute l'agitation qui a suivi, nous avons volé ce vaisseau à la Shinra. Voilà ce qui s'est passé. Juste une petite mutinerie contre nos chefs. Mais Barrett et toi avaient été capturés par Edegger. Nous avons attendu 7 jours avant d'avoir une chance de vous sauver. Ainsi, grâce au succès de notre mission, nous avons pu te revoir. J'espère que je ne t'ai pas trop cassé les pieds avec cette longue histoire. Non, non, merci, ça m'a fait plaisir. Vous êtes de braves gens. Super Lipopette, pourquoi tu ne nous avais pas dit que tu savais piloter un aérostat? Je pensais que je devais dire au revoir à Tifa. Excuse-moi, mais il fallait que je fasse quelque chose pour tromper l'ennemi. Allez, tout le monde attend. Tout le monde? Tout le monde est là, hein? Bienvenue à bord de mon aérostat, le Haut Vent. Barrett, Kate 6, Red 13. Pas de Cloud. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais être plus enthousiaste que ça. Sid. Oui. L'équipage est insuffisant. Tifa, je vais te donner des informations sur la Shinra. Demande-moi s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Pourquoi ce visage triste? Il y en a pour tous les goûts. Tu sous-entends que sans Cloud, nous n'avons aucun espoir? Tu veux dire que seuls, nous ne pouvons pas sauver la planète? Le météore arrive et l'arme se déchaîne. Face à une telle situation, je ne sais pas quoi faire. Aucune idée. Reprends-toi, Tifa. Allez, réfléchissons. Je ne vois pas comment nous pourrions abandonner au point où on en est. Si seulement Cloud était là, tout irait bien. Cloud serait... Essaie de te mettre à sa place et dis-nous que faire, gros malin. Il dirait, tout va bien, Tifa. Tifa, depuis quand es-tu une poule mouillée? Pardon, Barrett. Je ne suis plus moi-même. Je suis si déprimée. Et Tifa, la raison pour laquelle nous avons tous pensé que c'était Cloud vient du fait que... Je sais. C'est pour ça que je veux m'en assurer. C'est pour ça que je dois le revoir. Je suis tellement contente que tu ailles bien, Tifa. Merci, Vincent. Je veux que tu saches que je n'avais rien contre lui. Il faut admettre que c'était un type étrange. Au moment où vous pensiez qu'il était calme, il se mettait à faire des choses complètement dingues. Et quand vous pensiez qu'il était sage, il faisait l'idiot. Tout chez lui, de ses gestes à ses propos, était étrange. Mais en prenant un peu de recul, je comprends pourquoi il était comme ça. Eh bien, tant que tu as envie, tu peux espérer le revoir un jour. Alors garde le moral, petite sœur. Je le reverrai un jour. Si nous parvenons à savoir où il est, le Haut-Vent nous y emmènera en un rien de temps. Red 13, une idée? Peut-être. Cloud est toujours bloqué au fond du cratère Nord depuis que le sol s'est fissuré et l'a avalé. Enterré dans les entrailles de la Terre. Plus profond de la Terre. Es-tu en train de parler de la rivière de la vie? La rivière de la vie jaillit parfois en surface grâce à des fissures au fond de l'océan. Il paraît que ce genre d'endroit existe. Peut-être. Oui, peut-être que Cloud est... Voilà un indice pour continuer le scénario. Quoi, Cloud doit-il toujours être dans les parages? On s'en est bien sorti sans lui au début. Hein? Et qu'est-il arrivé à cette coriace de fille? Où est-elle passée? Allez, on va décoller. Tifa, excuse-moi, mais je dois montrer à ce crétin comment faire atterrir l'aérostat. T'inquiète pas, ce sera fait dans une minute.
Oh, Itifa, quel que soit ton objectif, les préparatifs doivent être méthodiques. Va dans ta chambre et prépare-toi pour notre opération. Alors, là, c'est pas vraiment la chambre, c'est la salle des opérations. Et c'est ici. Tifa, tu as fait du bon travail. Voilà donc. Notre nouvelle équipe, donc Tifa, est le nouveau boss. Voyons voir. Je veux garder Vincent avec moi pour entraîner pour ses limites. Non, d'abord, il faut que je retire les matérias de Sid... Non, de Katie et Barrett. Retirer. PHS. Non, alors attends, parce qu'ils ont, ils sont pas full vie du coup. Donc, HPMP. Ensuite, PHS. Je vais prendre Vincent et Yuffie. Alors, du coup, Yuffie, elle n'a que des matérias de... Non, attendez. Pour que ce soit plus facile tout à l'heure, je vais faire arranger. Voilà, c'est tout cassé. Et je vais pas leur mettre leur matériel tout de suite parce que je le ferai hors tournage. Et on va juste décoller. Et avant d'avancer dans le scénario, on va aller dans différents endroits pour ramasser des petits objets. Donc. Et après, je vous mènerai à l'endroit pour avancer au scénario. Allez, on décolle. Donc, oui, la musique est beaucoup moins joyeuse d'un coup. Alors, d'abord, il y a une matéria à récupérer à Nibelheim. Donc, c'est de l'autre côté de l'océan, par ici. Voilà, on avait fait ce chemin-là, dans le CD1. Par là, il y a Corel. Et au-delà de Canyon Cosmo, nous avons Nibelheim. Voilà, donc normalement... Si je me pose assez près, on ne devrait pas avoir de combat. Et il y a le matériel à récupérer chez Tifa. C'est par ici. Donc, cette fois-ci, il n'y a plus les clones de Sephiroth, que la réunion est définitivement terminée. Par contre, il doit toujours y avoir les faux habitants. Alors, Cloud. Cloud jouet. Je me demande ce que c'est. Matériel, élément de base, en fait. Ils l'ont coupé, mais c'est élément de base. Voilà, donc Tifa ne joue pas du piano, donc on ne peut pas faire... grand chose d'autre avec ce piano. Donc voilà, il y avait juste la matéria élément de base ici. Il y a toujours les faux gens ici, non? Je les vois pas. Je vais regarder dans la maison de Cloud vite fait, mais il me semblait qu'il y avait toujours les faux habitants ici. Voilà, ils sont toujours là. Qu'est-ce que va devenir cette planète? Bon sang, qu'est-ce qui se passe avec la Shinra? Ok, donc ils sont... Tout le monde est affolé avec l'apparition du météore. Ensuite, j'ai encore des objets et une matéria à aller chercher à... ça suffit. À Canyon Cosmo. Donc, par contre, là, je suis pas sûre que je puisse atterrir normalement. Je crois que je peux atterrir que sur de la terre avec l'aérostat. Ça veut dire que je vais peut-être être obligée de faire un peu de chemin. C'est chiant. Bon, j'y retournerai plus tard. J'y retournerai peut-être hors écran. C'est loin? Non, c'est pas si loin. Bon, ok. Bon. Je vais leur équiper leur truc et peut-être que je ferai une ellipse. Parce que mine de rien, ça prend du temps de leur équiper leur machin. Voilà, bon. Donc, Canyon Cosmo. Ah oui, faut que je fasse le tour. Alors, voyons voir. Il faut juste que je retourne voir les vendeurs. Normalement, il y avait un endroit où je pouvais pas aller avant. Et il y avait un coffre qui a dû apparaître. Mais... Le truc, c'est retrouver la boutique. C'est pas là.
fait quand même du bien de te revenir à Kanyokosu. En haut, je crois que c'est une auberge, donc c'est pas la peine. Est-ce que c'était là? Je pense que c'est là. Il y a deux maisons à coller. Voilà, je peux passer derrière. Et je peux récupérer Materia, guérison max. Et élixir. Et source de magie. Parfait. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller vite fait à Village Fusée. La ville de Cid. Allez, pas de combat aléatoire, s'il vous plaît. Parfait. Village fusée, c'est de l'autre côté du mont Nibel. Juste là. Non, là c'est Corel. Voilà, juste ici. Déjà allé si... Oui, c'était les gens qui se plaignaient que tout était ennuyeux. Je m'ennuie. Y a-t-il quelque chose qui puisse m'amuser? Le météore, ça t'amuse pas? Bon sang, quel ennui! Il s'ennuie toujours. Bon, bah ok. C'était peut-être pas ici alors. Non. Je vois pas de coffre. Voyons. C'est ce magasin-là alors. Les toilettes. Ah, là, je l'ai vu briller du coin de l'œil. Voilà, quatrième bracelet. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller au prochain lieu pour débloquer le scénario. Et je pense que c'est là que je vous laisserai. Encore une fois, l'épisode va faire plus ou moins 3 quarts d'heure. J'en suis désolée. Alors, un endroit où la rivière de la vie émerge à la surface du sol. Donc, en fait, on a déjà bien exploré nos 3 continents, puisque les 2 continents principaux, on les a vus. Vous savez qu'à l'ouest, c'est là où il y a la ville de Wutai. Au nord, on a déjà tout exploré. Donc, il y a juste, normalement, je sais plus, Wutai, c'était à l'ouest ou c'était au sud-est? Non, non, Wutai, c'était vraiment à l'extrême ouest, en fait. Donc, ici, c'est le continent où on doit aller. Et c'est ici que nous devons aller, en fait, ce petit village. Voilà. Bonjour. Salut, ma jolie. Voici Midil. C'est une ville d'eau bien tranquille. C'est l'endroit idéal pour des vieux types de notre espèce. J'ai entendu dire que dehors, ce n'était pas si calme. Ici, on se sent tellement bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute seule? Tu es perdue, c'est ça? Tu es séparée de quelqu'un que tu aimes? Je comprends. Ça doit faire à peu près une semaine maintenant qu'il a échoué sur la plage. Pauvre gars. Comme c'est cruel. Mais c'est bizarre, il tenait une longue épée. Je ne sais pas, quelque chose cloche. Mais le plus étonnant, c'était ses étranges yeux bleus. Quoi? Mais attendez, qu'est-ce que vous venez de dire? Pardon, cette jeune personne dont vous venez de parler. Oui, un villageois l'a trouvé un peu plus loin, là, sur la côte. Je crois que c'était il y a environ une semaine. Le pauvre gamin, il a dû être emporté comme ça depuis assez loin. Cloud, ça doit être lui, c'est Cloud! Tu l'as trouvé. Ouah! Alors, il est où? Il est en sécurité? Où est-il maintenant? Oui, plus haut, par ici, à la clinique. Il est en vie! Cloud,
Cloud est en vie. Cloud. Hé. Hey. Cloud. Dites, à vous voir courir ainsi, on dirait qu'il est arrivé quelque chose, comme si le météore était tombé. Excusez-moi, mais j'ai entendu dire qu'un de mes amis se faisait soigner ici. Un ami? Ah oui, ce jeune garçon. Ne t'en fais pas, il est à côté, mais son état... Ici? Par ici. Cloud? Oh Cloud, quelle joie de te voir sain et sauf. Cloud? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Cloud, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un empoisonnement au Mako. Son état est assez critique. Il semblerait que ce jeune homme ait été exposé à une quantité importante d'énergie Mako pendant un long moment. Il ne sait probablement plus qui il est, ni où il se trouve. Pauvre garçon, il n'a plus de voix. Il est à des kilomètres de nous. Un endroit loin d'ici. Personne n'a jamais été, tout seul. Docteur! Tu mens ou quoi? Cloud! Veuillez nous excuser. Écoutez, est-ce que cela ne vous dérangerait pas d'attendre dehors? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Je t'en prie, Cloud, parle-moi. Dis-moi que tu me vois, que tu m'entends. Je t'en prie, dis-le-moi. J'ai fait tout ce chemin au nom des souvenirs que nous avons en commun. Ce n'est pas possible, c'est trop cruel. Oh, Cloud, je... Dis, docteur, il va comment? Il va guérir? Je vous le répète, il a été empoisonné au Mako. Je n'ai jamais vu un cas si grave. Une immense quantité de connaissances répandues dans l'énergie Mako est placée d'un seul bloc dans sa tête. Le commun des mortels n'aurait pas survécu. C'est un miracle qu'il soit en vie. C'est normal, il est tombé la tête la première dans la rivière de la vie. Mais souviens-toi que la lumière de l'espoir peut se trouver n'importe où. Écoutez, si vous perdez espoir, vers qui pourra-t-il se tourner? Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour lui que nous sommes là. Il a intérêt à aller mieux. Ça va, Tifa? Oui, je suis vraiment désolée de vous avoir inquiété. J'ai quelque chose à vous dire. Je me fiche de tout, sauf de Cloud. Je veux me tenir à ses côtés. Fais comme bon te semble. Tu dois y arriver, tu dois vivre. Excusez-moi, à un moment pareil. Ne t'inquiète pas, on reviendra prendre des nouvelles plus tard. Prends soin de Cloud, prends soin de ta Tifa. D'accord. Bon, très bien. On doit retourner au vent. Qu'allons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Et ne nous dis pas d'attendre Cloud pour que les choses s'améliorent.
Oh, j'ai des nouvelles. Hé, tu es un espion? Oui, je vous l'ai déjà dit. Barrette est comme moi, il ne pardonne pas. Scarlett et Heidegger préparent quelque chose. Tu veux espionner? Ça rallonge l'épisode. Alors, nous avons deux possibilités. 1. Détruire le météore. 2. Éliminer la barrière située autour de la Grotte Nord et vaincre Sephiroth. Des idées? Nous avons déjà résolu le premier problème. Le météore sera bientôt réduit en miettes. Le plan est déjà amorcé, à savoir la récupération de la méga matéria de chaque région. Bien. La méga matéria est un type de matéria spéciale à haute densité, fabriquée grâce à un procédé de compression spécial dans les réacteurs Mako. L'énergie qui en est extraite est 300 fois plus puissante que celle de la matéria ordinaire. Et alors? C'est lui? Ah non, elle c'est Kiara. C'est le gars qui fait des Kiara, c'est vrai. Nous rassemblerons toute la méga matéria pour l'utiliser contre le météore. Cela provoquera une énorme explosion et le météore sera littéralement réduit en miettes. Détruire le météore? Crois-tu que nous ayons la technologie adéquate pour le faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important est de récupérer la méga matéria de chaque zone. Nous avons déjà récupéré la matéria de Nibelheim. Il ne nous reste plus que Corel et Fort Condor. J'ai déjà envoyé des troupes à Corel. Corel! Que font-ils à Corel? Et la méga matéria? Tu veux parler de la méga matéria, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. Lorsque notre petite matéria approchera de la grande, quelque chose va se passer. Je mettrai ma main à couper. C'est pour cela que nous utilisons le pouvoir de la matéria dans notre combat. On ne peut pas laisser la Shinra s'emparer de la méga matéria. D'ailleurs, quand Cloud sera de retour, je lui montrerai cette méga matéria. Il aura un choc. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Barrett? Tu as beau passer ton temps à le critiquer et tu espères toujours que Cloud revienne. J'ai rien dit, alors ferme-la. Tout groupe doit avoir un chef. Et c'est moi. Ou en tout cas, je veux l'être. Et je suis de l'étoffe dont on fait les chefs. Je ne l'ai appris que récemment. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été élu nouveau chef. Oh non, laisse tomber! Mais pour pouvoir combattre, nous avons besoin de toi et du haut vent. Nous en avons besoin pour sauver la planète. Et qui en est le chef? Toi! C'est pour ça que tu es notre nouveau chef. Personne d'autre n'en est capable. cet aérostat va sauver la planète, hein? C'est un peu gros, non? Oh, mon ami, ça me va droit au cœur. Je suis un homme, moi aussi. Ok, j'accepte. Que tout le monde me suive. Bien, voici la première mission. La salle des opérations t'attend. Wep. Ouais, Sid. Quand ils seront prêts, nous mettrons le cap vers le réacteur de Corel. Allez, chef, je ferais bien de te presser. Sid? Quoi? Je sais que vous êtes tous impatients de parler à quelqu'un comme moi, mais laisse-moi tranquille, ce vaisseau me rend. Ok. Eh bien, c'est ici qu'on va se laisser. La prochaine fois, on n'ira pas tout de suite à Corel, parce qu'il y a quelques petites choses à récupérer à Midil, dont les toutes dernières armes pour les personnages. Donc on s'y posera dans le prochain épisode, et ensuite seulement on ira à Corel combattre la Shinra. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, attention aux empoisonnements Mako, et à la prochaine. Allez, salut !